Il mettra son dessin académique au service de son engagement en illustrant des revues satiriques, avant de devenir l'auteur d'une des œuvres les plus radicales et les plus ambitieuses du XXe siècle. Solitaire, érudit, engagé, Kupka a longtemps été tenu éloigné de la place qui lui revient, celle d'un des peintres les plus importants de la modernité. «